Bon, les amis, est-ce que vous voulez vraiment savoir, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, combien j'ai gagné, voilà, avec les publicités que je mets dans mes vidéos? Donc, si c'est une chose qui t'intéresse, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que je vais aborder beaucoup de choses intéressantes. Désolé, en fait, cette vidéo-là, elle n'est pas préparée, elle n'est pas écrite. En fait, c'est une vidéo où j'ai beaucoup improvisé, voilà, de façon naturelle, en fait. Voilà. Donc, cette vidéo-là, on va pas parler de compétences ni de parcoursip, mais on va parler argent. Voilà. Argent, parce que c'est une chose importante. Parce que les amis, je pense que vous le savez, j'ai créé ma chaîne YouTube depuis très très longtemps. Et j'ai vraiment fait beaucoup de vidéos, que ce soit sur Parcoursup ou bien sur Campessence. Voilà, plus de 200 vidéos, disons. C'est beaucoup. Mais vous voyez les vidéos arriver, mais vous ne savez pas en fait le temps que je consacre à faire des vidéos, des montages. C'est beaucoup, c'est énorme. Et en plus, je suis étudiant et je pense que vous êtes censé savoir que ça impacte beaucoup mes études, mes performances à l'école. Mais c'est une question d'organisation. Si je n'étais pas organisé, ça va être pire en fait, tu vois. Parce que des vidéos, je fais ça depuis très longtemps. Et avant, c'était le foot qui impactait mes études. Mais avec l'organisation, j'arrivais à faire études et foot. Et aujourd'hui, études et vidéo, tu vois. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que l'argent que je gagne comparé au temps que je passe à faire des vidéos, c'est rien du tout. Vous allez voir, hein, si vous regardez la vidéo, je vous dirai combien j'ai gagné depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube avec les pubs. Donc déjà, il y a une chose très très importante à savoir avec moi, c'est que mes deux sources de revenus sur YouTube, c'est surtout la publicité. En fait, l'argent que je gagne, c'est surtout avec les pubs que je mets dans mes vidéos. Mais aussi, je gagne de l'argent parfois avec des collaborations ou bien des partenariats. Voilà. Mais il faut savoir que les pubs que j'ai fait, que je mets dans mes vidéos, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai pensé à faire une chose en parallèle. Voilà. Je vous dirai ça après parce que c'est le but de cette vidéo-là. Donc, faire des vidéos sur YouTube, c'est compliqué. Évidemment, faire une vidéo, parce qu'il y a des gens qui me disent tout le temps, mais toi, arrête de faire semblant, tu perds pas beaucoup de temps à faire des vidéos. Alors que oui, faire une vidéo ou deux, c'est pas un problème ça. Mais faire des vidéos sur YouTube de façon régulière, c'est ça le problème en fait. Parce que le problème de YouTube, c'est quoi? C'est que une fois que tu te lances sur YouTube, tu peux pas reculer, tu peux pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, c'est fini pour toi. C'est ça le problème de YouTube. Parce que YouTube, c'est une plateforme. Leur but en fait, c'est de faire passer beaucoup de temps aux personnes qui regardent les vidéos. Donc, si toi, en tant que créateur de vidéos, tu publies des vidéos et tu t'arrêtes, c'est comme si tu avais laissé YouTube. Et quand tu laisses YouTube, eux aussi, ils te laissent. Voilà. C'est ça le problème. C'est pourquoi beaucoup de personnes échouent sur YouTube. Donc, les amis, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour gagner de l'argent? Tu sais, depuis que c'est arrivé en France, c'était en 2019. Et là, on est en 2022. Je ne sais pas toi quand tu vas regarder la vidéo, peut-être c'est en 2025 ou 2050, peu importe. Mais depuis que c'est arrivé en France en 2019 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés en France, que ce soit au niveau du logement, au niveau du boulot, le travail, au niveau de ma formation, etc. Voilà, j'ai beaucoup galéré, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc moi actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est que vu que les pubs ne me rapportent pas beaucoup d'argent, je suis en train de créer un site web. Voilà, vous voyez ici, c'est marqué mes galères en France. Voilà. Évidemment, le site web est loin d'être fini, mais le but de ce site web-là, c'est de créer en fait un site web et de mettre des formations, non pas des formations, mais des vidéos qui sont payantes en fait. Des vidéos en module en fait. Un module sur le logement, un module sur le travail. Par exemple, si on prend le module pour le logement, en fait, c'est un module où je vous explique, depuis que c'est arrivé en France, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées au niveau du logement. Parce que vraiment,
vous allez voir que vous allez rencontrer beaucoup de difficultés au niveau du logement. Donc, le but en fait de ce module logement, c'est de vous expliquer tout. Voilà. Et il y aura un autre module où je vous explique concernant le boulot, tout ça. En fait, ça va être des vidéos différentes des vidéos que vous voyez sur YouTube. Parce que ici, c'est des vidéos privées. C'est des vidéos où je raconte des choses que je ne peux pas dire publiquement sur YouTube. Parce que c'est des problèmes personnels, tu vois. Donc, en fait, en ce moment-là, c'est ça mon objectif, en fait. Voilà. C'est de mettre ça en ligne dans un site web et que ça soit comme des formations payantes. Évidemment, le site n'est pas encore lancé, c'est pour bientôt. C'est pourquoi je vais vous mettre un lien peut-être dans la description ou bien vous m'envoyez un mail. Si vous êtes intéressé, vous allez réserver votre place ou bien vous remplissez un formulaire dans la description. Voilà, vous avez le choix pour réserver votre place. Maintenant, je vais quand même vous montrer combien j'ai gagné sur YouTube depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube avec les pubs. Voilà. Donc pour cela, on va aller sur les données analytiques de ma chaîne YouTube. C'est très simple. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Moi, le but, c'est de vous montrer combien j'ai gagné. Et pour cela, il faut cliquer ici données analytiques. Donc ici, on voit toutes les vidéos que j'ai faites depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà. Donc nous, on va aller ici données analytiques. Et quand je clique sur données analytiques, tout à fait en haut, on voit déjà, il y a une chose qui apparaît. Il y a ici, c'est marqué 171 dollars, 1600 abonnés. En fait, ça, c'est l'Esta pour un mois, pour ce mois de juin-là. Voilà. Donc, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va plutôt aller voir ici, là où c'est marqué 28 derniers jours. On va cliquer ici. On va mettre depuis toujours, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ici, depuis toujours, en fait. Et quand je mets depuis toujours, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit que ma chaîne YouTube, elle a cumulé plus de 3 millions de vues, presque 4 millions de vues, ce qui est énorme pour moi. Et on voit aussi que la durée moyenne de visionnage, non pas moyenne, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est 227 000 heures. Écoutez bien, 227 000 heures de visionnage. Je vous rappelle que pour être partenaire de YouTube, le temps minimum, la durée de visionnage minimum exigée est de 4 000 heures. Et là, on est à 227 000, ce qui est énorme. Voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. Revenons ici. Donc là, on voit que depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, je suis actuellement à 52 000 abonnés. Et là, regardez ici, vos revenus estimés, 1 500 dollars. Donc là, les amis, vous avez bien regardé. En fait, 1 500 dollars, c'est le montant que les pubs que je mets dans mes vidéos m'ont rapporté depuis la création de ma chaîne YouTube. Est-ce que je suis satisfait de ça, oui ou non? Évidemment que oui. Je suis très content de cette somme-là parce que n'oubliez pas qu'à la base, je ne suis pas venu pour gagner de l'argent. Attention, il y a une différence entre je ne suis pas venu pour gagner de l'argent et je ne veux pas gagner de l'argent. Évidemment, j'ai envie, comme tout le monde, de gagner de l'argent, mais à la base, ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'aider des étudiants. Et en aidant les étudiants, j'ai remarqué qu'il y avait un moyen de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, je suis très content, même si ce n'est pas beaucoup. J'ai un pote youtubeur hein, qui fait des vidéos sur comment gagner de l'argent sur Internet. Il a actuellement plus de 100 000 abonnés. Mais vous savez combien il gagne ici? Il m'a montré son compte, je vois quoi? 17 000 dollars. Tu vois? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que YouTube, c'est une opportunité de mettre beaucoup de sources de revenus en place. Et vraiment, c'est possible. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous allez non seulement voir sur cette chaîne YouTube-là comment étudier en France en passant par Campus France ou bien Parcoursup. Mais vous n'allez pas voir que ça maintenant. Les choses ont changé. Vous allez aussi voir beaucoup de vidéos sur comment gagner de l'argent sur Internet. Parce que j'ai vu que c'est possible en fait. J'ai vu que c'est possible. Et quand c'est possible avec moi, c'est que c'est possible pour tout le monde en fait. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je partagerai des conseils, je partagerai mes résultats avec vous pour que vous voyez, pour vous convaincre que c'est possible, pour vous permettre de vous lancer sur YouTube. Parce que franchement, c'est possible d'être étudiant et entrepreneur ou bien tout ce que vous voulez, YouTubeur, voilà, je sais pas, mais c'est possible.
C'est possible. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai combien je gagne par mois, quelles sont les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent sur YouTube. Évidemment, ne pensez pas que parce que quelqu'un fait des vidéos qu'il est riche ou bien il a beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but de ces vidéos-là. Voilà. Moi, j'ai envie de gagner plus, mais pour le moment, je gagne pas beaucoup. Je gagne peut-être, je vous dirai pas parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut retenir dans cette vidéo-là, c'est que les pubs que je mets dans mes vidéos, ça ne me rapporte pas beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la vente de formations vidéo, voilà, où j'explique des choses personnelles. Pour le moment, on va pas aller trop loin. Pour le moment, tout ce que je vous explique, c'est mes galères en France depuis que c'est arrivé. C'est intéressant. Je vous donne un exemple de vidéo que je vais mettre dans la formation, dans la vente de formation. C'est une vidéo intitulée J'ai pleuré une fois en France à cause du logement. Vous voyez, c'est déjà un titre de vidéo très intéressante. J'ai failli pleurer. Non, disons, j'ai pleuré une fois en France à cause du logement. Donc, franchement, si vous avez envie de voir tout ça, je vous conseille de envoyer un mail ou bien de remplir le formulaire pour réserver votre place. Donc, les amis, votre avis compte parce que c'est votre chaîne YouTube. Tout ce qu'on partage ici, c'est il faut que ça vous plaît en fait. Si ça vous plaît pas, je le fais pas. Voilà. Donc, donnez votre avis en commentaire et surtout laissez-moi un like et abonnez-vous. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.